Avec une superficie de 587 000 km², l'île de Madagascar est située près de l'Afrique du Sud. Elle présente de grands avantages de par sa position géopolitique, située au cœur de l'océan Indien entre l'Afrique et l'Asie, ce qui fait d'elle un endroit idéal pour l'investissement régional, interrégional et international. Le pays offre de nombreuses opportunités d'investissement à travers 6 secteurs importants. L'agribusiness, l'industrie légère, les infrastructures, les mines, le tourisme et la technologie de l'information et de la communication. Il offre un climat et un cadre politique favorable à l'investissement étranger et bénéficie d'accords de protection avec de nombreux pays tels que la France et l'Allemagne. Madagascar fait partie d'un grand nombre d'organisations relatives au commerce régional comme la SADC, Southern African Development Community, le COMESA, Common Market for Eastern and Southern Africa, la COI, Commission de l'Océan Indien. Madagascar possède de nombreux avantages concurrentiels, tels qu'une population jeune et dynamique, apte à apprendre très rapidement, particulièrement dans le secteur de l'industrie légère. L'île offre une expérience unique avec des possibilités d'investissement à long terme dans divers secteurs. Dotée d'une biodiversité unique, Madagascar offre un cadre inouï. Au cours des 6 dernières années, le nombre de touristes visitant Madagascar s'est accru. En 2006, il atteignait les 311 700 visiteurs. La demande, devenue trop importante, nécessite la construction d'infrastructures supplémentaires. Plusieurs activités touristiques peuvent être implantées à travers le pays, notamment l'écotourisme, les sports extrêmes, les stations balnéaires ainsi que les activités de découverte et culturelles. De plus, 22 réserves foncières ont été mises en place à Madagascar. Celles-ci seront mises en concession. Madagascar est un pays essentiellement agricole. Grâce à ses conditions climatiques, ses caractéristiques géographiques, ainsi que l'abondance de richesses naturelles, forêts, pêche et environnement, l'île est dotée d'un potentiel énorme dans le secteur agribusiness. Le pays possède une main-d'œuvre importante pour le développement agricole, puisque plus de 75% de la population malgache vit en milieu rural. La diversité des sols permet d'exploiter une variété de cultures. Les fruits et les légumes sur les hauts plateaux, les cultures oléagineuses, noisettes, soja, le coton et la canne à sucre au sud-ouest et nord-ouest, et les produits de rente, vanille, café, clou de girofle, poivre et litchi sur la côte est. Les opportunités d'investissement dans le secteur agribusiness sont diverses, telles que le riz, le maïs, les produits non alimentaires tels que le biodiesel, le sisal et les huiles essentielles ont connu un essor considérable depuis quelques années. Les industries légères constituent des usines et des chaînes de production importantes pour Madagascar, notamment avec ses produits textiles et agroalimentaires. Le secteur industriel malgache est caractérisé par un développement considérable dans le domaine de l'export, générant du travail pour 120 000 personnes. Elles opèrent principalement dans le secteur du textile à 64%. Madagascar est le deuxième plus grand pays exportateur en habillement dans la région de l'Afrique subsaharienne. Il a la possibilité d'accéder à de potentiels marchés par le biais de l'AGOA, Africa Growth and Opportunity Act. Les exportations vers les USA ont ainsi augmenté de 10% entre 2005 et 2006. De plus, en tant que membre du COMESA et de la SADC, Madagascar a l'avantage d'avoir accès à un marché régional de plus de 350 millions de consommateurs. L'île regorge de richesses naturelles, pierres précieuses, métaux et minerais. Divers projets ont été mis en place pour développer le secteur.
Le plus grand projet minier mis en place à Madagascar est un investissement de 3,3 milliards de dollars dans l'exploitation du nickel et du cobalt à Ambatouvi par Cherit International. Un autre projet réussi au sud-est de Madagascar est celui de Kid Madagascar Minerals du groupe Rio Tinto dans l'exploitation de l'île Ménite. Ce secteur est porteur d'avenir puisque de nombreux projets sont en cours dans différentes régions du pays, incluant le pétrole à l'ouest, le charbon et le bauxite au sud. Le développement des infrastructures se fait à travers le partenariat public-privé. Depuis 2002, le gouvernement s'est engagé à maintenir le réseau actuel et construire de nouvelles routes dans le contexte du MAP, Madagascar Action Plan. Le pays compte 17 ports et 55 aéroports, facilitant les voyages d'affaires et le commerce au niveau national et international. Il y a aussi des opportunités d'investissement dans le secteur de la production d'énergie. Le potentiel hydroélectrique est estimé à 7800 MW et seulement 150 MW sont exploités. L'environnement est favorable à l'énergie éolienne. Ainsi, au nord, la vitesse du vent atteint 8 mètres par seconde à 50 mètres de hauteur et au sud, 8 à 9 mètres par seconde à 50 mètres de hauteur. La capacité de l'énergie solaire est estimée à 2000 kWh par mètre carré sur une année. Un système de partenariat entre le secteur public-privé et les sponsors garantiront non seulement le développement du réseau, mais aussi une ouverture et un accès non discriminatoire aux opérateurs présents et futurs. L'usage de la téléphonie, fixe, mobile, Internet, se répand considérablement. L'objectif est d'atteindre un taux annuel de 40% afin de passer de 1 million d'utilisateurs en 2006 à 3 millions d'utilisateurs en 2012. Le backbone national sera le réseau principal terrestre à haut débit reliant les 22 régions, mais aussi à un réseau d'accès via satellite. Afin de réduire le coût de télécommunication à Madagascar, le gouvernement, avec la collaboration du secteur privé, connectera très prochainement Madagascar via la fibre optique ici et de CEF au reste du monde. Parce que Madagascar offre autant d'opportunités, EDBM a été créé par le gouvernement en 2007. Sa première mission est de faciliter et de promouvoir les investissements à Madagascar. Une équipe professionnelle et dynamique est mise à la disposition des promoteurs afin de les assister pour tout renseignement concernant les investissements. Madagascar offre une expérience unique, aussi bien pour un touriste que pour un investisseur. Notre pays bénéficie d'une qualité de vie exceptionnelle. Venez investir à Madagascar !